l'Assomption de la Vierge Marie. La Vierge Marie, d'abord, qui est la mère de Jésus. Son Assomption, c'est pour nous chrétiens, sa montée glorieuse au ciel avec son corps et son âme. Son Fils Jésus est monté au ciel, c'est l'ascension. Et elle, elle l'a suivi. C'est pour nous chrétiens le signe que l'homme aussi, les hommes que nous sommes, nous ressusciterons. Jésus est monté, est ressuscité, il est monté au ciel. Sa mère aussi est montée au ciel. Nous aussi, nous allons la suivre. La Vierge Marie remporte la victoire sur la mort à la suite de Jésus, son Fils, qui est ressuscité d'entre les morts. Ce signe nous invite à lutter contre le mal. Et de quel mal s'agit-il? Le mal de la mésentente et de la haine. Le mal de la mésentente et de la haine. Il s'agit d'un mal qui est en train de détruire notre pays. Parce que chacun cherche aujourd'hui à défendre son ethnie ou sa région naturelle, sa famille. Et voilà que ce signe de la fête de l'Assomption nous invite à être des artisans de paix et de réconciliation avec tous nos frères et sœurs. Tous nos frères et sœurs de toutes les ethnies, tous nos frères et sœurs de toutes les régions naturelles. Puissions-nous accueillir cette invitation pressante au moment où nous célébrons la fête de Notre-Dame de Guinée. Invitation à être partout et toujours des artisans de paix et de réconciliation. Frères et sœurs, quel message dominant trouvons-nous dans les textes liturgiques de ce jour? C'est à cette question que je voudrais répondre à présent. Dans la première lecture, nous avons écouté la description d'un combat entre un grand dragon, c'est-à-dire le diable, qui est l'ennemi de Dieu, et une femme. Une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Mais qui est cette femme mystérieuse? Cette femme mystérieuse est la figure de Marie, la mère de Jésus. Et Marie est la figure de l'Église de Dieu, dont les membres sont appelés chaque jour à lutter et à vaincre le dragon, c'est-à-dire le diable, en s'appuyant sur le Christ. Par conséquent, le chrétien doit lutter chaque jour contre le dragon, c'est-à-dire le démon, le diable, votre adversaire. Nous dit Saint Pierre, votre adversaire, le démon, comme un lion qui rugit, va et vient à la recherche de sa proie. Résistez-lui avec la force de la foi. Première lettre de Saint Pierre, chapitre 5, versets 8 et 9. Nous devons donc comprendre ici que notre salut passe aujourd'hui par l'inévitable combat contre les forces du mal. Pendant que nous livrons ce combat, n'oublions pas de réciter de temps en temps la prière à Saint-Michel-Archange.
Dans cette prière, nous disons à Saint-Michel Archange, défends-nous dans le combat contre les principautés et les puissances, contre les chefs de ce monde de ténèbres. Conjure le Dieu de paix qu'il écrase Satan sous nos pieds. Saisis toi-même l'antique serpent qui n'est autre que le diable ou Satan pour le précipiter et enchaîner dans les abîmes en sorte qu'il ne puisse plus jamais séduire les nations. Dans ce combat quotidien, n'oublions jamais ces paroles que le pape François a adressées aux jeunes il y a quelques années. Nous ne voulons pas vaincre la haine par davantage de haine, vaincre la violence par davantage de violence, vaincre la terreur par davantage de terreur. Et notre réponse à ce monde en guerre a un nom. Elle s'appelle fraternité. Elle s'appelle lien fraternel. Elle s'appelle communion. Elle s'appelle famille. Fin de citation. C'était au JMJ de Cracovie en 2016. Par conséquent, la mission du chrétien consiste à faire la paix avec tous, la paix avec le prochain. Que Marie nous obtienne aujourd'hui la grâce d'accomplir pleinement cette mission, la mission de faire la paix avec tous, la mission de faire la paix avec le prochain. En célébrant aujourd'hui la solennité de l'Assomption de Marie, la Mère de Jésus, nous croyons qu'elle nous précède dans la gloire de Dieu. Nous croyons qu'elle est entrée dans la gloire de Dieu avec son corps et son âme, parce que le salut opéré par son Fils concerne la totalité de l'être et de la création. Nous croyons qu'elle est entrée dans un ordre nouveau où il n'y a ni souffrance, ni mal, ni mort. Un ordre nouveau où nous devons tous entrer. Un ordre nouveau où nous devons tous entrer. Mais chacun à son rang, nous dit Saint Paul dans la deuxième lecture. Chacun à son rang. En premier le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. L'évangile que nous avons entendu nous fait comprendre que l'Assomption invite à la rencontre fraternelle des témoins de Dieu, à la rencontre d'amour entre frères et sœurs. La rencontre dont nous parle l'évangile de ce jour concerne une femme âgée qui porte en elle l'attente ancienne de l'humanité et une jeune fille qui porte en elle la vie nouvelle que l'humanité attend. Si la femme âgée porte le désir, il faut dire que la jeune femme porte, quant à elle, le désiré. Porter le désir et le désiré. Et leur rencontre est un événement pour les croyants, parce qu'à travers ces deux femmes, il y a la rencontre entre deux enfants qui sont encore dans le ventre de leur mère et qui exultent de joie. Alors Élisabeth, remplie de l'Esprit Saint, proclama que la merveille des merveilles,
C'est la grâce immense du Seigneur qui a fait de Marie la mère de Dieu. La grâce immense, la merveille des merveilles, c'est la grâce immense du Seigneur qui a fait de Marie la mère de Dieu. C'est pourquoi elle s'adressa à Marie en disant, tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant tressaillit d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. À son tour, Marie proclama son hymne d'action de grâce. Elle chanta son chant de joie, c'est-à-dire son Magnificat, pour que tout retourne à Dieu, parce que Marie est convaincue qu'elle a été comblée de grâce par Dieu. Le Puissant fit pour moi des merveilles, dit-elle, saint est son nom. Avec Marie, rendons grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Frères et sœurs, la solennité de l'Assomption coïncide cette année avec deux événements importants dans la vie de notre pays. Le débat sur l'avant-projet de la nouvelle Constitution proposée par le CNT et la crise sociopolitique liée aux revendications des forces vives de Guinée. Deux événements importants dans notre pays. Confions ces événements à l'intercession de Marie en ce jour béni. Elle pourra mieux que nous présenter à Dieu nos préoccupations et nous obtenir les grâces pour la paix dans notre pays. Je saisis cette occasion solennelle pour adresser mes sincères remerciements au CNRD et au CNT pour la présentation de cet avant-projet aux parties prenantes en vue d'apporter leur contribution pour aboutir à l'élaboration de textes juridiques consensuels et répondant aux aspirations du peuple de Dieu. C'est pourquoi je demande humblement à l'ensemble des parties prenantes, partis politiques, organisations de la société civile, cadres, intellectuels, leaders religieux, sages, femmes et jeunes, à contribuer efficacement pour donner à la Guinée une nouvelle constitution qui pourra garantir l'unité et la stabilité du pays. Le plus important est d'amener chaque Guinéen à aimer et à défendre sa patrie. Amener chaque Guinéen à protéger et à respecter la constitution. Amener chaque Guinéen à respecter les lois et les règlements du pays, surtout d'aimer en acte et en vérité ses frères et ses sœurs, ses frères et ses sœurs de toutes les ethnies, ses frères et ses sœurs de toutes les régions naturelles. Je me permets aussi d'inviter respectueusement l'ensemble des acteurs sociopolitiques à déployer tous les efforts possibles pour le maintien de la paix, pour le maintien de la sécurité, pour le maintien de la cohésion
dans notre pays. Aussi, je déplore les difficultés d'établir dans le pays un dialogue sincère et inclusif entre les parties en conflit. En raison du manque de culture politique de compromis permettant de trouver des solutions consensuelles qui tiennent compte des intérêts de tous. Il est donc urgent de redynamiser le fonctionnement du cadre du dialogue inclusif interguinéen, car nous devons réussir à réunir le CNRD, le gouvernement et tous les acteurs sociopolitiques autour de la même table pour examiner ensemble les questions vitales de notre pays et trouver les solutions idoines et consensuelles dans l'intérêt supérieur des populations guinéennes. C'est pour ces raisons que j'encourage respectueusement le CNRD et le gouvernement à œuvrer davantage dans la recherche de solutions concertées pour mettre fin à ces crises récurrentes. Également, je lance respectueusement un appel solennel aux acteurs sociopolitiques, un appel à la retenue, un appel à la résolution pacifique de leurs différends sous l'arbre à palabres, afin d'éviter les manifestations de rue pouvant entraîner des destructions de biens publics et privés, pouvant entraîner des pertes de vies humaines. Tout en appréciant hautement les efforts du gouvernement dans le cadre de la lutte contre l'impunité, je me permets ici d'insister sur le respect des droits humains et surtout le respect des procédures judiciaires en évitant les violations de ces procédures, car les violations de ces procédures peuvent ternir l'image de la justice guinéenne. Chers frères et sœurs, Marie est attentive à nous et elle travaille pour nous.